Bien le bonjour, bien le bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue pour le dernier live concernant l'histoire sur The Witcher 3. Alors, la dernière fois. Mais vous avez qu'à regarder le dernier live. Alors, oui, je fais pas de trucs face caméra parce qu'il fait chaud. Je suis à torse nu et donc Twitch, je sais pas s'il aime. Dans le doute, on ne va pas le faire. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais avant. C'est les barbares de Skellige. Ils se sont... Comment ça? Ils ont assommé l'aubergiste, jeté les filles dehors et se sont mis à boire. Ils ont dit qu'ils voulaient fêter. Effectivement. Vous avez l'air d'un honnête homme. Aidez-nous, chassez... Mais si vous voulez... Très bien. Je vais... Vraiment. C'est une quête de Balvel parce que je la vois depuis longtemps, celle-là. Juste, ouais, du coup, de finir l'histoire, juste faire cette... Dernière quête secondaire visible. Désolé, l'ami, à te saouler. Cassez-vous. Non, ici c'est Novigrad. Comment ça? On peut pas faire la fête tranquillement? Dites-moi, des costauds comme vous, vous étiez où quand j'ai tué le géant de glace? Attends, tu es Geralt de Rive. Celui qui est allé sur Runvik avec le jeune Ankret. En chair et en os. Ah, sachant. Les gars, on lève l'ancre. Dame Bran aurait mieux fait de ne pas vendre la peau de l'ours. Maudits soient les escadrons noirs. Merci beaucoup. Tenez, c'est pas... Au revoir. C'est largement su. Waouh, un point d'expérience. Hein? Là, vous êtes trompé. Alors clairement, c'est celui que je vais faire. On va faire après, hein. Enfin après, dans un prochain live. Hein. Je ne commence pas Hearts of Stone tout de suite. Hein. Allez, ah ben là, vous serez prêt à vous battre. Me battre contre Eredin. Alors j'ai aucune idée de combien de temps ce live va durer. Il peut durer 1 heure, 30 minutes, non, au moins 1 heure je pense quand même, pas déconner. 1 heure comme 2, comme 3. De toute façon aujourd'hui on finit l'histoire, peu importe le temps que ça prend. Même si le jeu crache, le redémarre, ce n'est pas un souci. Parce que j'ai la main... Putain, mais je peux y aller. Je vais faire un live à 14 h. Au final, j'ai joué avec Blackstash. Et bah avant que je me rende compte, il est 19 h. Donc, le temps de manger tout ça. Je ne commence mon live qu'à 21 h 40. Bon. Code démarre. Le roi de la chasse sauvage. Oh putain! J'espère que c'est la dernière fois que je me tape ce temps de chargement à la con. Sur les qui dure longtemps pour rien. En quête de la pierre de soleil. Parce que autant il y a un temps de chargement qui durait longtemps, mais c'est juste parce qu'il y avait d'autres dialogues avant, enfin après, au fur et à mesure de quand avance l'histoire. Sauf qu'au final, on en a eu un long juste avant, où tu voyais Geralt en train d'attaquer Imleric, je crois. Ou alors c'était Ciri. Mais il finit, non, au final, il durait juste long pour rien. Et je sens que ça, c'est pareil pour celui-là. Malheureusement, tu peux pas le passer. Voilà. Je suis pas. Alors, Gérald. Commençons. Occupons-nous de ces ordures. Avec plaisir, Gérald. Avec plaisir. Est-ce que je vais avoir un avertissement du jeu? Ah. Ah mais je veux pas me spoil. Vite vite, faut que j'ai le contrôle de mon perso et que je mette pause. C'est magnifique. Je charge une partie. Ok, j'ai Ciri. Bon. Alors. Le
petit peu, j'ai mon tapis de chargement. Alors, raison d'état. Un drakkar géant permettant. Qu'est-ce que c'est que cette quête? Sur les conseils de Gaels, le sorceleur partit en quête de la sphère de soleil, un artefact nécessaire pour piéger Eredin. Qu'est-ce que c'est? Ok. Activation d'Ixtra. Termine la quête, la conjuration. Plus calmer le joueur d'Ixtra durant la quête. Lors de la quête, donnez des informations sur l'empreinte Nilfgaard à d'Ixtra. Cette quête s'active automatiquement. Ah. Donc, a priori, j'ai une quête. Avec d'Ixtra. Ok, eh ben, je retire ce que j'ai dit. On va d'abord assassiner le roi de Radovid. Mais de toute façon, dans tous les cas, on voguait à bord du Naglfar, un drakkar géant permettant de. Est-ce qu'on se retape au moins encore deux fois ce putain de chargement de merde? Le sorceleur partit en quête de la pierre de soleil, un artefact nécessaire pour piéger Eredin. Après, a priori, il n'y a que raison d'état qui a été échouée. Donc, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Na, 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 na. Na, na. Donc, on repousse l'échéance encore. Bon, après, j'espère que. Bah, a priori, là, cette quête-là va durer longtemps, normalement. Assassiner Radovid, je ne pense pas que ça se fasse en 10 minutes. Enfin, si ça se fait en 10 minutes, c'est cool. T'es pas très net, toi. Qu'est-ce qui est fou là, Ablette? Bon, c'est Ablette. Hein. Oh, on peut être ensemble le temps et l'espace. Voilà ce qui. Donc c'est normal qu'elle fasse des trucs bizarres. Toi, tu me mets Axi. Encore une bizarrerie. Dickstero. Oh non. Qui va là? Geralt, le sorceleur. Entrez. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Ah, bordel! Silence! On va régler. Je ne travaille pas. Vous serez payé, rassurez-vous. Il partage un entrepôt. Et il avait une clé, peut-être? C'est toi qui l'as fait entrer. Tu délires, con! Je me fiche de savoir lequel de vous deux a acheté une goule ou une strige à la tête de l'autre. Alors, sorceleur. Vas-y. Très bien. Non, je refuse. Il va sûrement vous dire que c'est pas une goule. J'ai pas bien vu sa trogne. Fermez-la, sinon j'envoie des percepteurs dans. Ce sera pas. Ah. Du rififi. Jamais. Bah, c'est un vieux Necker. Pas de quoi s'affoler. Même un enfant de 4 ans se le tape à main nue. Bizarre. Les Necker se déplacent rarement seuls. Ah. Alors, vous êtes. Oui. Oui. J'ai eu raison de faire confiance. Vous m'avez engagé pour le. Ouais, c'est vrai. C'est juste que j'étais prêt. Et vous deux, direction la garnison. Ok. Magnifique. Raison d'être. Tu vas nous dire ce qu'on fait là ou. Dès que Geralt arrivera. Enfin, s'il arrive un jour. Sorceleur, enfin. Bien. Maintenant que nous sommes tous là. Ouais, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je te l'ai dit, Radovid est à bord de son bateau. Il est intouchable. Arrête, tu veux. J'ai une idée pour l'attirer sur la terre ferme. Mais chaque chose en son temps. J'ai un aveu. Bravo. Allons, allons, ce n'est pas si grave. C'est pas comme si elle allait prévenir ce morveux, après tout. Mieux encore. Elle t'a inspiré quoi? Ah, quel emploi. Patience. Comme je l'ai dit, chaque chose en son temps. Tout ce que j'ai trouvé, c'est son repère. Où veux-tu en venir?
Avec ton aide, on pourrait se servir de Philippa sans même la mettre au pas. Radovid attend ton rapport. Et c'est exactement ce que tu veux. Oh oui, ça, ça va lui plaire. Imaginons que Radovid gobe le mensonge, ce qui n'est pas... Dis-lui que tu as trouvé le repère de Philippa. Idéalement... Le pont de l'île du Temple. Il y a des bâtiments et des portes des deux côtés, et on... Bonne idée. Je peux poster mes hommes de chaque côté du pont. Et au milieu, si... Tu vois, Gérald, tout ce que tu dois faire, c'est attirer Radovid sur... Ok. D'accord, j'accepte. Mais ensuite... J'y ai déjà réfléchi. Tu te souviens du théâtre de Madame Irina ? Vous nous attendrez. Très drôle. Dijkstra et moi, on est bourrés de putain de qualité, mais franchement... Ne t'en fais pas, Gérald. Dijkstra, il a ses chances, ou de sa carrière. Contente-toi de nous amener là. Je vais faire... Dans le port de Novigrad, un peu à l'écart. Le pont devrait être dégagé. Radovid, ce petit fils de pute, hautain et narcissique. On fait quoi ? Il va pas manquer à grand monde, lui. Pas s'ils sont grassement payés, non. Ce n'est qu'un roi, ce n'est pas un empereur. Il n'a pas de prestige. Ouais. Alors, Twitch... Petit souci... Comme un débile, j'ai pas bien regardé si tout. Toi, tu dégages. Très bien. Qu'est-ce que tu fais ici ? Gérald, ne pose pas la question si tu connais. J'écoutais votre conversation, évidemment. Ah oui. Ta naïveté. Tu crois vrai ? Ce ne sera pas simple, mais j'y... J'espère que tu prendras la chasse sauvage avec un peu plus de sérieux. Philippa, je ne comprends. Je me contrefiche de ton sort. Si tu ne veux pas de mon aide, tant pis pour toi. Tiens. Une bague avec une aigle redanienne. Elle appartenait à Vizimir, le père de Radovid. Si tu la lui dis. Ça devrait aider. De rien. Crois-moi. Bonne chance, Gérald. Oh, t'es au milieu. Genre les chasseurs de sorcières, ils ne la voient pas. D'accord. Attendez, Radovid. Hors de son avis. Attiré. Voilà. Attends, mais il aura forcément une escorte avec lui. Je sens que je vais devoir tuer les gens, moi. Enfin, bon. Pas de ville, Nilfgaard, les deux sont des fous. Radovid a trahi son allié pour gagner en puissance. Ce qui fait de lui là. Et Emir, je l'aime pas. Mais bon, Nilfgaard a l'avantage que Ciri a de grandes chances de devenir la prochaine impératrice. Si c'est ce qu'elle veut faire. Enfin bon. On verra, on partira peut-être avec Gérald au final. Si je sens que le papa il va pas nous laisser partir facilement. Si loin. Miam miam. Miam miam, d'accord. Miam miam la galette. Sphère. Sorceleur. Une audience. J'ai retrouvé Philippa Elhart.
Remettez-moi vos armes. Bien. Majesté, le sorceleur. Il apporte des nouvelles de Philippa et Lart. J'espère que cette fois-ci, vous m'apportez un peu plus que des cristaux magiques. Je sais où est Philippa. Peut-être, oui. Ou peut-être... Je suis un professionnel, j'ai une réputation à préserver. Et je ne suis pas assez bête pour me présenter ici les mains vides. La chevalière de mon père. Philippa s'en servait pour estampiller ses décrets officiels. Où est-elle ? Sous votre nez, sire. Elle est à Novigrad, dans une maison sur le pont qui mène à l'île du Temple. Pourquoi ne pas me l'avoir amenée ? Pour ça, il aurait fallu que je la capture. Je me suis contenté de la localiser et de... Vous la craignez ? Non. Mais je sais que vous désirez la tuer vous-même. Vous allez m'accompagner. Combien, Majesté ? 12. Oh, damn ! Douce. Oh, ça va chier. Ils m'ont pas rendu mes armes. Où est-elle ? Où est Philippa ? Dans une maison, de l'autre côté du pont. Parfait. Barrez l'entrée. Damian, Jouk, Egbert, Frick, Cast... Et... tu es le sorceleur. C'est comme ça que vous remerciez ceux qui vous servent ? C'est comme ça que je punis ceux qui m'irritent. Vous en savez trop. Vous vous mettez trop souvent au travers de mon chemin. Et votre arrogance m'insupporte. J'ai tué des hommes pour bien moins que cela. Suivez-moi. J'ai pas tâté les hommes pour bien moins que cela. Il y a ma nuche des archontes, c'est ça. Une dernière parole. Merde. Aidez le sorceleur. Ensuite, occupez-vous de Radovid. C'est une épée, c'est bon. Est-ce que c'est mon épée ? Non ! Mais ça suffira ! Ça va ? Oui, merci pour le coup de main. Le plan est parti en vrille. On va devoir improviser. Viens, Gérald. On doit s'occuper de Radovid avant l'arrivée des renforts. Où est mon épée ? Erreur fatale. Ridicule. Mais qu'est-ce qu'ils sont faibles, ces chasseurs ? Attends. Okay. Bon, ok. Non, ok. Vraiment, à la fin du jeu, je vais me mettre en difficulté max. C'est cool. Pas de méditation. On va compter sur nos potions. Attends. J'ai un truc qui est... C'est chiant.
Loup. Bon, allez. Oula. Je viendrai te trouver quand je... Oui. Ouvrez! Ouvrez cette porte! C'est un ordre! Il suffit de demander. Ça, c'était pour régler nos comptes. Et ça, c'était cadeau. Pardonnez-moi. La tentation était trop forte. Comment a-t-elle ? Où ? Putain, mais comment ? Elle nous espionnait à l'entrepôt. Quoi ? Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit ? Les gars, vous croyez vraiment que c'est le moment ? Radovid est mort. C'est tout ce qui compte. Mission accomplie. Tirons-nous d'ici au plus vite, avant que les Redaniens ne rappliquent. Oui. Partons. Les régicides. Alors, parlez, c'est fait ? Tout ne s'est pas déroulé comme prévu, mais... Oui, c'est fait. On en reparlera plus tard. Avant ça, levons nos verres. Pour le Nord. Pour la Téméria. À la Téméria. À la Téméria, bordel. Ne regâchons pas le moment. À la Téméria. Mais quasiment en 10 minutes, bon, au final. Et maintenant, Roche, tu vas reprendre le combat contre les escadrons noirs ? Non. La guerre est terminée. Terminée ? Vous m'avez caché quelque chose ? On peut dire ça, oui. Tu comprends. Demain midi, le commandant du groupe d'armée centre signera une trêve au nom d'Émir. Une trêve négociée par Dijkstra et votre serviteur. Alors que je t'ai croisé à Velen avec les trolls ? Oui, je revenais de la dernière session de pourparlers. Émir gardera Edirne et la Lyrie. Mais en échange de la tête de Radovid et de l'arrêt des activités des partisans, il se retirera de la Téméria. Qui deviendra de fait un vassal de l'Empire. Un vassal autonome. Avec sa propre administration, ses propres tribunaux et sa propre armée. Les lys argentés fleuriront sous les rayons ardents du grand. Mais je ne suis pas un putain de poète. Alors, je dis juste qu'on n'a pas le choix. Vous ne connaissez pas Émir. Quand il l'aura décidé, il reprendra vos jouets et vos rêves avec. Oh, ne t'en fais pas, on se fait pas d'illusions. Prends Dijkstra, par exemple. Si, une fois fait, c'était fini, il serait bon que ce fût vite fait. Si ce coup pouvait être tout et la fin de tout, ici-bas. C'était quoi, ça ? Vakmet, acte 1, scène 7. J'ai toujours rêvé de jouer ce rôle, mais sans succès, hélas. Geralt, oublie ce que Talar vient de dire. Il n'y aura pas de trêve avec le Nilfgaard. La Redania... Que... quoi ? C'est pas du tout ce qui était prévu. En effet, pour assurer la souveraineté à court terme d'une unique nation, nous avons offert à Émir sur un plateau tous les autres royaumes du Nord. Je ne peux pas accepter un accord aussi ridicule. Traître. Je te laisserai pas faire, sale fils de pute. Pourtant, Roche, tu es bien placé pour comprendre que je n'ai pas le choix. Bien placé.
Comment ça? Parce que tu es un patriote, toi aussi. Geralt, tout ceci ne te concerne plus. Tu peux partir. Et bonne chance sur ton chemin, ou ta voie, ou je ne sais quoi. Comme tu voudras. T'as raison. Ça ne me concerne plus. Et tu es vraiment un salaud, Dijkstra. Oui. Et c'est ce qui fera de moi un excellent chancelier. Adieu, loup blanc. Ils ont mérité, tiens. Ok, c'est juste des trucs mis à jour. J'ai envie de vite en finir. Okay. Désolé. Oh. Ah, j'ai récupéré mes trucs, c'est cool. 202, 240. Ah, ok, oui, non. C'était bien mieux. Je veux que tout soit en parfait état pour la bataille finale. C'est de la merde. Alors. Bouffe. Cinquante. J'ai que du 50, j'ai pas du 80. Du poisson séché. Intéressant. Fruits secs. Poisson. Et encore des fruits secs. Voilà. Il est temps d'aller une fois pour toutes. Gwint, Gwint, Gwint et Gwint. Et si les cadavres sont encore là, j'irai les loups plus tard. Si j'y pense. Pareil. Oh l'âme, pourquoi ne pas les porter à la taille? Pour la tuer? Radovid. De la chasse sauvage voguait à bord du Naglfar, un drakkar géant permettant de voyager d'un monde à l'autre. Sur les conseils de Gaels, le sorceleur partit en quête de la pierre de soleil, un artefact nécessaire pour piéger Eredin. Toi. Nous y voilà. Pluie battante. Ah. Il est quelle heure? Bonjour. Allô, il est temps de la flotter. Une petite sauvegarde dans le bout, tu me dis encore qu'elle est échouée. Alors, Gérald. Comment ça?
Occupons-nous. Avec plaisir, Gérald. Ok, c'est bon. Je te donne mon cœur. C'est vraiment un sort, ça? C'est une vieille lettre d'amour, très ancienne. Comme je l'ai dit, cette pierre devait réunir deux amants. Non, c'est faible. Je n'aurais jamais pensé dire un truc pareil à Eredin. Ein verelit sirenaid, adel eich blein eidme. J'espère que c'est pas trop faible. Sur le stream. La babiole elfe a fonctionné. Ils arrivent. Bonne chance, Gérald. Felicio, calez-vous net. Suivez-moi. Le Nagelfar ne doit pas être bien. Calme plat. C'est un piège. Il faut fuir maintenant. Pas cette fois. Non, Jiréel, tu n'es pas prête. Tu ne contrôles pas tes pouvoirs. Je m'en sortirai. Ciri. Écarte-toi. Ciri. La glace. C'est un sort. Trouve le mage qui l'a lancé et brise son bâton. Je ne briserai pas que son bâton. Mais elle est forte, la petite série. Alors attends, j'ai un peu oublié comment la jouer, même si je pense que je devrais m'en sortir. D'accord. Bien. Il est temps. Marche de la mort. C'est parti. Ouah. Pardon. Je l'ai one shot. Ah oui. Donc Ciri est en mode ultra vénère du coup.
Faible. Battez 40 tirs. C'est réel. J'attends. Alors, je pense que son arme doit être proportionnelle à ce que j'ai avec Geralt. Parce que... Allez, juste... Tu as fait des progrès, Cyriel. Bon, je peux pas... Incroyable. Avec sa tenue du DLC, elle est tellement stylée. C'est ça, attache-toi à ton vieux bâton. En fait, ouais, ça prouve à quel point l'arme de Geralt est le niveau que j'ai, c'est absolument abusé. Tu vois, c'est juste qu'elle est surboostée. Si elle contrôle mieux ses pouvoirs. Que Geralt va arriver en héros. La rescousse. Presque, Cyril. Presque. Oh. Isgardiad. Ah. C'est à mon tour. Sorceleur, qu'il en soit ainsi. Finissons-en. La spécialité, c'est la glace. Eh ben, tu vas bouffer du feu, mon gars. Oh. Tu ne gagneras pas, même si tu me tues. On verra. Tu vois, je suis du genre Gorias. Et il me reste encore quelque chose dans la manche. Fais le boulot à ma place, c'est gentil. Aïe. Ça, ça faisait mal, ça. C'est pas très gentil. Mais arrête d'esquiver, c'est fou. C'est le pire gars. Et lui, il joue mage dans Dark Souls, il a pas de couilles. Mais tu vas arrêter de te téléporter. Même si tu me tues. Je vois que t'es quand même capable de me faire de mal. Des sacrés dégâts. Tu vois, je suis du genre Gorias. Et il me reste encore quelques tours dans le manche. Oh. Même avec quelques tours, t'en sortiras. Qu'avec la tête tranchée.
Ah. Il a encore mieux béni les vampires. Il nous garantit. Tu ne gagneras pas. Même si tu me tues. Ah, qu'est-ce que t'es moche. Oh. De la fin. Il me l'hérite. Et même mort. Putain, c'est tellement stylé avec l'épée. Oh l'enfoiré. Eux mes bottes. Bon, Siri, faut venir sauver papa. Oh. Si. Ah, ok, c'est bon, il n'y a pas de glace partout. Donc, qui m'a piqué mes bottes? Ça me dit pas que j'avais pas mes bottes d'équipé quand même. Ça me casserait les couilles. Là, si j'ai fait le combat sans les bottes, donc avec une protection en moins, c'est incroyable. Putain, ce bordel à la surface. Cours, Gérald. Avec de skellige, c'est des tarés. Mais c'est génial. Enfin, Marc-Lo, elle doit être froide. Hein, quand même. Ça devait pas être évident de naviguer. Le Nagelflap. Oh, ses voiles sont en feu. Incroyable. Au piège. Sans tes voiles, tu fais que tes rames pour avancer. Une petite sauvegarde. Ah, je peux pas sauvegarder, d'accord. Bordel de merde! Voilà un autre. Vous avez vu Siri? Ouais, elle est avec votre aide. Non, mais il est. Du quoi? Quoi cette résistance? Ah, il en marque. Et donc c'est bien ce que je pense, c'est Siri est boosté au normal. Donc je ferai pas de les tuer. Bien, bouffe du igni. Il commence à m'emmerder, c'est pas de l'invincibilité. Faut pas que j'oublie que quand je les refrappe, ça annule les dégâts de fou. Oh là là, mais c'est pas vrai. Oh, il y en a d'autres. Là, autre chose. Cassons-nous. Ah, ben les guerriers, c'est autre chose. Qui veut goûter à l'acier de Skellige? Yalmar. Tu as vu Siri? Oui, pas loin du Nagelfar. Vous allez finir au fond de la paix, salopard. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Quoi? Putain, voilà, j'allais dire. Prends tes dégâts. Épée de la chance.
Voilà. Donc le feu, ça marche bien. Merde, crabe. Le mec est courageux. La mort d'un roi. L'ancien. Une dernière parole. Ferme-la. Ébat-toi. Tu as eu ta chance. Non, laisse-toi ton masque, t'es moche. J'espérais que tu viendrais. Pourquoi ça? J'ai quelque chose à te dire. Mais ça attendra. Que tu sois moribond. Ramène ton fion. Vas-y. Bon bah, on va mettre toutes les chances de notre côté quand même. 15%. Pas une huile efficace contre la chasse sauvage. Les bêtes, les nécrophages, insectoïdes, draconiques. Entre les humains et non humains. Bon, ça doit être ça. On va voir si je peux l'améliorer. Merde, oui, on est en combat du coup. Merde. Voilà, dans le bestiaire, ça correspond à quoi les trucs de la chasse sauvage? Ah, vraiment, c'est qu'un gros tas de glace va faire mieux de la pièce. Putain, ils sont en fait des élémentaires. C'est des vestiges? Non. Quoi? Sont pas dans une catégorie les trucs de la chasse sauvage, quoi? Ah, c'est que les trucs de la les chiens peut-être. Et je la trompe bien avec mon épée. Je peux niquer son bouclier de glace. C'est bon à savoir. Mais dis-moi mon cochon, c'est hyper résistant. Alors, allez foi. Putain, mais vraiment, j'ai. Oui, c'est avec cette épée que je la fais.
bien de l'espace. C'est ça qui me manquait. C'est épais ce chien. Tu as reçu une bonne instruction, Kerberos. Ouais, ok, sans son armure de glace, il est tellement plus vulnérable. Putain, mais il fait moins de dégâts que ce que je pensais. Bon, après, mon armure est tellement plus haut level. Enfoiré. Une pro, c'est sûr. Une barre de vie en moins. Ça me parie. Bon, je pense que c'est un peu inutile d'essayer de le parer. Oh, il prend cher. Oh, il prend cher. Pas mal. Allez, tu me provoques en plus. Bien. Heureusement que tu peux pas me perdre nous dans le vide, sinon ça aurait été compliqué. Pas mal. Bam! Oh mais c'est qu'il met de sacré coup au chien. Je reste supérieur en tout point. Je vais voir si je vais douiller le jeu. Il y a peut-être le succès, finir le jeu en difficulté maximale. Il ressemble beaucoup à Sauron, quoi. Reviens là. Oh oui. Dans l'œil, mon gars. Tu avais quelque chose à me dire? Avalar nous a dupés tous les deux. Il nous a montés l'un contre l'autre pour s'enfuir avec Cyrilla. Je ne te crois pas. Où est Ciri ?
Quoi? Je pensais que tu pourrais me le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'Avalar nous a peut-être trahis. Qu'est-ce que c'est? Un orage? Gérald, regarde. Mais le portail entre les mondes est ouvert. Vite, nous devons atteindre la tour et arrêter Avalar, tant que c'est encore possible. Au moins, on sait où chercher Ciri. Suis-moi, et tiens-toi sur tes gardes. Quel petit enfoiré. Et des dégrâces, dernière. À ton avis, que lui veut Avalar? La même chose qu'Eredin, je suppose. Il va se servir d'elle pour ouvrir un portail. Merde. Un tremblement de terre? Dépêchons-nous. Attention, ce navire va se disloquer. Cache-toi dans le creux de l'autre côté. Vite! Ouch. Ouah, ça fait mal. On prend une autre comme ça, je meurs. Planète. Bon, je n'ai pas à blette, mais ça suffira. Et il est fait un brûle-toi. Chose prime, j'ai arrêté le cheval. Attends que j'y suis en vrai. Allez. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Le froid blanc les a eus. Bon sang! Va se faire enterrer! Attends! Paresse ta belle! C'est chiant ça. Je vais même pas trottiner lui. Comment il va mourir tout seul? À l'ancienne. Mais grouille-toi, Yennefer, t'es lent. Avalar a dressé une barrière magique autour de la tour. Tu peux la neutraliser? La neutraliser? Au mieux, j'ouvrirai une brèche. Mais elle ne sera que temporaire parce qu'il n'y a aucun. Après, Jienne, on pourra passer tous les deux? Non, tu vas devoir y aller seul. Je reviendrai avec Ciri. Je sais. Agored! Dergan Agored! Vite, Gérald. Au final, Eredin, il pue la merde. Je l'ai défoncé.
Putain, le combat contre Ibleri, t'étais plus patient. Oh. Je vais bien. Allez, dépêche-toi. Et salue bien Avalar de ma part. T'en fais pas. Je vais lui. Peignez la tour elf. Alors, Avalar, c'est un sorcier. Donc, il doit se téléporter. A priori, il est pauvrement vêtu. On est où ? On est là où il y a le phare. Là, on est là où il y a... Ah non, il est là. J'ai aucune idée où il est alors. C'est là où il devait y avoir l'île au bout, du coup. Geralt, comme c'est dommage. J'espérais que tu n'assisterais pas à tout ça. Où est Ciri ? Pas loin. Écoute. La ferme ! Garde ton baratin pour toi. Dégaine ton arme et finissons-en. Il est raisonnable, moi. Ah. Tu crois que je suis disposé à t'épargner ? Je crois plutôt que tu n'attaqueras pas un homme désarmé. Détrompe-toi. Je suis d'une humeur massacrante. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne fais qu'aider Cyrilla. Je ne te crois pas. Pas après tout ce que tu as fait. Et moi, tu me crois ? Avalar dit la vérité. Je lui ai demandé de m'aider à ouvrir la tour. Je veux y entrer. Pourquoi veux-tu entrer là-dedans ? La chasse sauvage a été vaincue. Mais pas le foie blanc. Les prophéties sont exactes. J'ai vu des mondes prisonniers des glaces. Je sais ce qui vous attend. Seul le sang ancien peut arrêter le froid blanc. Je suis la seule à pouvoir l'arrêter. Tu n'es pas obligé de te sacrifier. Tu as tort. Le froid blanc est inéluctable. Il va geler les mondes les uns après les autres. Et éradiquer toute forme de vie. Il n'y a que moi qui puisse empêcher cela. Ma décision est prise. Il doit bien y avoir un autre moyen. Et qu'est-ce que tu y connais en sauvetage de monde, gros bêta ? Tu n'es qu'un sorceleur. C'est mon histoire, pas la tienne. Laisse-moi décider de sa fin. J'aurais peut-être dû t'en parler. Je vois que tu aurais pu comprendre. Je te connais mieux que tu ne le crois. Ne me fais pas attendre. Non, elle a changé de... Ok, oui, ça c'est une cinématique.
confiance en toi, petite. Votre personnage au niveau 35. Donnez-vous la peine d'entrer. Que ces pauvres elfes leur ont fait. Capitaine. Au rapport. Quatrième escadron 4. L'ensemble de... Dans le palais d'Emir. Le général Voris est au courant? Il est en réunion. Personne n'est autorisé à... Foutaise. Entrez là-dedans et informez-le immédiatement. Les hand is great. Sa Majesté vous attend. Gloïr en Arfrey. Si l'empereur. Parlez. Ciri est morte. Comment est-ce arrivé? Le froid blanc. Vous connaissez la prophétie? Ciri a tenté de l'arrêter. Avec succès, mais elle en a payé le prix. Où est le corps? Je doute qu'on le retrouve jamais. Qui d'autre sait? Avalar, un sage elfe. Mais vous ne le trouverez pas davantage. Et Yennefer? Elle a décidé de rester dans le nord, si vous n'y voyez pas d'objection. Aucune. Et vous? Après une guerre, les sorceleurs sont très demandés. Je vais à l'est, peut-être au nord. Cyrilla a-t-elle... Vous a-t-elle confié un quelconque message? Pourquoi elle a pas... Elle n'a... Mais non, elle n'a pas parlé de lui. Nous n'avons pas parlé de vous. Je vois. Si vous n'avez rien à ajouter... Si. Mais vous pouvez disposer. Sorceleur, je ne souhaite plus vous voir. Plus jamais. La fierté de l'empereur. Non. Ok. Besoin d'un coup de main avec votre chariot? On va s'en sortir, l'ami. Merci pour la proposition. Ouais, et puis vous avez pas l'air d'un charron. Le vent tourne. Ça, c'est bien vrai. Les Nilfgaardiens ont fui, les Redaniens se sont pas encore installés, et pendant ce temps-là, les bandits nous ont mis en coupe réglée.
On avait presque fui, mais la roue a cassé et les chevaux ont détalé dans les bois. Vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin d'aide? Je pense qu'on va s'en sortir. Où vous allez? À l'auberge la plus proche, à vue de nez. Oui. Et je dois d'abord retrouver quelqu'un à l'ancien campement Nilfgaardien. Bonne chance. Oh, je suis la blanche fleur. Là. Vous croyez avoir la vie dure ? Bon, il est en cheval. Ciri est donc morte. Se sacrifiant. Putain, Ablette qui nous fait un trajet parfait pour la fin. Et qui a endurance infinie aussi. Parce que pourquoi pas. Pas de monstre à l'horizon. Juste le calme. Ça fait longtemps que je n'ai pas été ici. Que j'avais pas été ici. Bon. Nous y voilà. Maître Hort. Il a sûrement été retenu. Vous êtes en retard. Les soldats bloquent les routes, je sais. Peu importe. Vous l'avez ? Comme convenu. Lame de 38 pouces et demi, pas plus de 40 onces, cœur d'acier plaqué argent. Glyphes et runes courant à la fois sur la lame et la garde. Magnifique. Trois décennies que je fais ce métier. Seules les plus fines lames peuvent s'offrir mes services. Vous pouvez me croire quand j'affirme qu'aucun sorceleur n'a jamais eu son égal. Votre réputation vous précède, Maître Hort. Loin de moi l'idée de douter de vous. L'inscription que vous demandiez. Ziréel, Hirondelle. Rune classique en langue ancienne, sans effet de style, simple et précis. Vous permettez ? Elle est à vous. Si vous souhaitez l'essayer, mes gars ont installé un mannequin. Voici vos honoraires. En gemmes, uniquement, comme convenu. Si vous cherchez du travail, il y aurait une strige en forêt de Maribor. Merci. Je dois d'abord me rendre à la taverne. Mais après, qui sait ? Bonne chance sur la voie, sorceleur. Pas de dégâts. Niveau requis 1. Pas de dégâts. Juste 454.
Première auberge, on fait halt avec Vézémir. Vézémir et moi, Ciri et moi. Les dégâts provoqués par le conflit devront être réparés. L'impôt sera doublé à compter d'aujourd'hui. Vous recevrez une quittance lors de chacun de vos versements au trésor. Gardien, ça veut dire qu'ils vont brûler les sorcières. Où ils vont trouver des sorcières par ici? Non, t'inquiète pas pour ça. C'est fait? Oui. Il t'a cru? Yes! Aucune idée. C'est pour le Cocatrix. Nous avons un nouveau contrat. Peu lucratif, mais qui vaut la peine. Tu n'as pas chômé? C'est pour toi. Une épée de sorceleur? Hirondelle. Waouh! Elle est magnifique! Je peux? Pas ici. Mais les occasions ne vont pas manquer, sorceleuse. Allons l'essayer alors. Survivant de l'épreuve. La troisième guerre. Terminer le jeu dans n'importe quel mode. Vieux fin stratège. Radovid V de Sévère et Emir Var Emreis. Si tous deux paraissaient invincibles, l'un comme l'autre mordit la poussière. L'envahisseur Nilfgaardien sur le champ de bataille. Le chef suprême du Nord sous le coup des assassins. En Redania victorieuse, un homme qui opérait jusqu'ici dans l'ombre prit les rênes du pouvoir. Son nom, Sigismund Dijkstra. Une fois solidement installé sur le siège de chancelier, Dijkstra régna sur le Nord victorieux à sa manière, à la fois cynique et sans merci. Il savait que pour maintenir la paix, il fallait être toujours prêt pour la guerre. À l'exemple de Nilfgaard, il consolida son règne sur un vaste territoire via un ambitieux programme de peuplement et d'industrialisation. Tout ça pour le bien de ses sujets, de gré ou de force. Tant que ses armées volaient de victoire en victoire, les sujets d'Emir restèrent d'une fidélité sans faille. Mais dès qu'une série de défaites cuisantes fit voler en éclats son infaillibilité, l'opposition, jusqu'ici clandestine, passa à l'attaque. Les sujets de l'empereur qui dansait sur la tombe de ses ennemis s'empressèrent de l'ensevelir à son tour. Alors que le continent s'enfonçait dans la guerre, Skellige prospérait sous le règne éclairé de Ceris. Contrairement à ses aînés, la jeune reine renonça au pillage des côtes étrangères pour se consacrer au bien-être de son peuple et de ses terres. La nation insulaire prospéra de façon spectaculaire, mais elle perdit au change ses griffes d'antan. Cyrilla Fiona Hélène Rhiannon, héritière du trône du Nilfgaard, préféra suivre la voie des sorceleurs. Gérald lui enseigna toutes les ficelles du métier, puis ils suivirent chacun leur propre chemin. Bientôt, les exploits de la sorceleuse aux cheveux cendrés enflammèrent les esprits des rives de la Yaruga aux montagnes du Kovir. Alors que les rois déplaçaient les frontières et les peuples, le sorceleur et Yennefer choisirent de mener une vie calme, loin des intrigues politiques. Il prenait souvent le petit déjeuner, au lit, bien après-midi.
et les journées s'écoulaient en lentes balades et longues conversations. Ennuyeux, selon vous? Peut-être, mais l'un comme l'autre n'aspirait à rien de plus. L'histoire de Geralt de Rive est terminée. Vous pouvez continuer à parcourir le monde en quête d'aventures et de contrats de sorceleurs, mais tout sera comme avant le dernier chapitre du jeu, et les quêtes liées à l'histoire principale ne seront plus disponibles. Vous pouvez désormais commencer une nouvelle partie plus. Pour cela, créer une nouvelle sauvegarde. Dans cette nouvelle partie, je vais sur l'option New Game Plus et sélectionner la sauvegarde à partir de laquelle votre personnage doit être importé. Seules les sauvegardes effectuées après le déblocage de l'option Nouvelle Partie peuvent être utilisées. Petite mise à jour, courche perche. Échec. Bon, seulement 3. Et pas important. Je vais voir Odigré de Vaughn. Evrek à propos des contre. J'ai donc terminé The Witcher. Est-ce que je peux aller à l'étage? On finisse là où on a commencé. En haut de la tour de Kaer Morhen. Compagnie de la douce Yennefer. Du coup, Ciri est devenue une sorceleuse. Geralt vit sa vie avec Yennefer. Emir est mort, il a eu que ce qu'il méritait. Et Dijkstra, bon, finira par subir la même chose qu'Emir à terme. J'aimerais ne pas avoir à sélectionner une quête. Il faut pas que j'ai pas le choix. Ici que tout a commencé. C'est ici qu'il y avait un putain de balcon. Bah. C'est quoi ces foutaises? Le balcon a disparu. C'est peut-être pas ici du coup. Qu'il y avait une porte à ouvrir. Ah, c'est peut-être là. C'est verrouillé. Et bah yes. Tant pis. Tant pis. Il y a quoi là-dessous là? Que dalle. Une prison. Je dois pas être allé au bon endroit. Je vois pas pourquoi on aurait pu accéder. Il va y avoir une autre tour. Exact. Espérons que ce soit bel et bien celle-là. Verrouillé, ça sent pas bon. Voilà. Mais c'est pas vrai. Je dis pas que cet endroit n'existe plus quand même. À moins que ce soit vraiment dans l'une des deux portes. Et j'ai encore la clé de la chambre de Yen. Je l'ai pas vendue. Ah non, je l'ai encore. Objet ordinaire. C'est marrant ça.
Et la chambre des Yennefer. C'est un objet ordinaire. Ah, attends, si, je crois que je me souviens. C'est dehors. Passer par dehors. Algric. Bon, attention. Oui, c'est la première qui résume mal. Donc 32 pour Heart of Stone et 34 pour Blood and Wine. Alors, attends, du coup, ça, c'est la cour d'entraînement. Ok, c'est par là-bas. C'est par là-bas, c'est par là-bas. Ici, c'est là où Ciri s'entraînait quand elle était gosse. C'est là. Je pense qu'on y a, on y a juste plus accès en fait. On l'a voyé s'entraîner depuis depuis la tour. Ah, pourtant quoi? A priori, en toute logique, ça devrait être par là du coup. C'est verrouillé. Bah, c'est cassé. Putain, mais je veux accéder à cet endroit, bordel. Je vais fermer. Bon. Et définitivement, je pense qu'on ne peut plus y aller. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon. Ouais, parce que là, on sautait ici. Tac, on allait là, là. Pour aller dans la cour d'entraînement qui était un peu plus bas, je suppose. La chasse sauvage a pas trop laissé de traces de son passage. Alors remarque, c'est peut-être à cause du passage de la chasse sauvage qu'on peut plus y aller. Possible. Bon, bah écoute, on va se trouver un endroit calme pour faire le débrief de cette première partie de Let's Play. La plus longue, évidemment, concentrée sur l'histoire principale et les quêtes secondaires qu'il y a autour. On va faire une petite sauvegarde. Ce sera donc The Witcher 3. J'ai une configuration de PC qu'on pourrait qualifier de très juste pour le stream. Et même pour The Witcher 3 en vérité, mais malgré tout le jeu, je n'ai eu quelques rares lags. Je n'ai pas eu de crash lié à un bug du jeu ou un truc comme ça. Non, en général, c'est juste mon PC qui surchauffait trop à cause de Streamlabs. Mais globalement, franchement, super jeu. L'histoire est incroyable. Incroyable, non, l'histoire est très cool. J'ai découvert l'univers de Witcher avec ça. J'avais commencé à regarder le Let's Play de Bob Lennon. Au final, j'ai bien fait d'y jouer. Parce que ça m'a permis de découvrir plein de trucs. Donc, bon, j'avoue, les deux derniers boss, je suis un peu déçu. Parce que même en difficulté maximale, hein, parce que peut-être faut checker, je suis bel et bien en difficulté maximale, même si le jeu. Quand je l'ai lancé, c'était évidemment en difficulté minimale. Alors attends, on va retourner au menu principal. C'est un DLC.
quitter le jeu. Autant faire un débrief. À la caméra. Alors. Donc un live. Bah, un peu plus court que ce que je pensais au final. Parce que putain. On a mis quoi, 25 minutes. Le temps de terminer tout ce qui était quête secondaire. Et du coup. Toi tu te mets. C'est l'avantage de cette caméra, c'est que je peux la déplacer comme ceci. Du coup, on a mis 25 minutes pour terminer tout ce qui était quête secondaire. Donc buter Radovid, ce sac à merde. Et oui. Et ben c'est pas mal déjà. Et du coup, une heure pour terminer l'histoire principale. Ouais, donc très bon jeu, franchement. Très bon jeu, très bon jeu. Alors par contre, l'épilogue a duré vachement moins longtemps que ce que je pense. Bon, après, c'est une épilogue, hein, donc c'est pas le truc qui va durer le plus de temps, mais je suis persuadé que The Witcher 3 ben, avait pas mal de. En tant que quête principale, acte épilogue. Quelque chose s'achève, quelque chose commence. 1, 2, 3 et un lien tenace. Ok. Ok, ok. Ok. Peut-être quelque chose s'achève, quelque chose commence. Donc il y a trois fins différentes, The Witcher 3. Au moins deux choix positifs sur les quatre disponibles. Radovid a gagné la DR, les Redaniens oppressent le peuple. Ouais, alors ça j'avoue que au final j'aurais dû peut-être épargner Roche. Enfin sauver Roche. Et buter d'extra, mais j'avoue que j'avais un peu la flemme. Mais au final, ça a fait de Ciri une sorceleuse. Donc, c'est pas plus mal. De toute façon, les reliefs. Allez. Non, de toute façon, dans tous les cas, même les mille gardiens, ils ont repressé le peuple. Oh! Vous reprenez, vous avez effectué un 3 choix négatifs sur les 5 disponibles. L'enfant de sang. Vous reprenez le contrôle de Gérald dans les marais de Torséchi. Il conseille donc par vous diriger vers le loup-garou qui se trouve non loin de votre position. C'est ensuite de l'épargner pour qu'elle vous guide à travers les marais. Vous avez suivi Beren pendant plus de 15 ans sur une bande de paysans en prétendant à la torture. Une louve et son petit. Engagez le dialogue et ces derniers, puis provoquez-les. Il faudra ensuite éliminer les 10 hommes en côté de Beren. Le loup-garou pour enfin retrouver la moire et lui donner ce qu'elle mérite. Et du coup, un lien tenace. Sinon, qui est associé, quelque chose s'achève, quelque chose commence. 1. Vous sortirez de la taverne de Blanchefleur, vous apercevrez un cheval s'enfuyant au galop, sinon l'immeuble pour vous trouver auprès de son maître. Un ancien soldat sera de retour de la guerre, discuter quelques instants exceptionnels pour recevoir une petite récompense et mettre un terme à la quête. Ok, donc je vais spoiler les deux fins. Alors, je vais vous avouer un truc. Je regarde la chaîne Trash. C'est pas ça que je dois vous avouer, je vous rassure. Et il y a de cela 2-3 ans, je crois. Bon, attends, on va checker. Il y a de cela, il y a de ça 5 ans, excusez-moi, très bien. Donc il y a de cela 5 ans, ils ont fait une vidéo du coup sur les 12 boss les plus épiques hein, du jeu vidéo. Non, pardon, pas du tout. Non, je dis de la merde, c'est pas du tout cette vidéo. Je...
Ok, non. Donc. Vidéo les Trashers. Attends. Est-ce que c'est celle-là? Que je dise pas de la merde. Bon, après, on s'en fout, j'ai envie de te dire. Mais c'est pour vérifier personnellement. Mais oui, The Witcher 3 est sorti en 2015. Pardon. Ah oui, quand même. Ok, donc, il y a de ça, sinon, trash, putain, 2015, bordel, je le fais 7 ans. Ouais, je pensais pas qu'il était aussi vieux. Ok, bon, ça justifie le fait que ma config me fasse tourner. Du coup, ils ont fait une vidéo, du coup, sur les fins les plus tristes du jeu vidéo, et voilà, quoi. Et parmi, du coup, cette liste, il y avait l'une de The Witcher 3, Wild Hunt. Par conséquent, alors, eux, s'il y avait... Ils ont cité que deux fins, donc je sais pas si à l'époque il y avait que deux fins ou il y en avait déjà trois, mais je pense qu'il y en avait déjà trois. Du coup, je savais déjà à peu près que quand j'aurais libéré Ciri, il y aurait tout un passage où du coup, faut que je sois cool avec elle. Que je la laisse un peu tranquille, tout ça. Et je pense que même sans avoir vu la vidéo, c'est globalement ce que j'aurais fait. Peut-être un choix, j'aurais pas fait la même chose, sûrement. Genre le dernier, mais sûrement le dernier en vrai. Pour, j'aurais plus... ne rien dire ou tout ça. Du coup, je savais déjà à peu près ce qu'il fallait faire pour avoir la bonne femme. Au final, je n'ai pas eu la fin que je pensais parce que du coup, j'ai buté Vernon Roche en l'ignorant. Du coup, ça, je ne savais pas qu'il fallait faire cette quête. Donc, du coup, les deux autres fins, je vous explique. Vous décidez d'épargner Vernon Roche, donc a priori vous affronterez Dijkstra et ses hommes. Les Nilfgaardiens vont donc gagner la guerre à la suite de ça. Et Ciri, normalement à un moment, je sais pas quand, est censé rencontrer son père, parler avec elle. Et du coup, au lieu de devenir sorceleuse et de partir sur les routes, elle va devenir impératrice de Nilfgaard, tout simplement. Donc on est sur un niveau de prestige absolument incroyable. Voilà. Quant à la troisième fin, qui est donc la fin de la tristesse, c'est si vous avez décidé de la jouer papa poule, on va dire. Donc, voilà, si vous lui demandez de se calmer au lieu de se lâcher, normalement, en fait, c'est ça. Au lieu d'agir par elle-même, vous lui dites tu fais pas ça, tu fais pas ci, machin, sinon tu vas te faire mal. Tu l'as fait un peu à la Avalar, du coup. À vouloir la protéger à tout prix, même si à la fin il était un peu plus cool avec elle. Et donc si vous faites ça, au moment de battre le sang, le froid blanc, ouais c'est ça, le froid blanc, elle va pas survivre. Elle va tout simplement crever sa race. Donc suite à ça, Geralt est triste. Il va pour buter la dernière moire, du coup. Parce que j'avoue, ça c'est un truc qui me casse les couilles, qu'il n'y a que dans cette quête qu'on peut buter cette connasse. La dernière moire, du coup, qu'on a laissée en vie, et a priori elle reste en vie, sauf s'il y a une quête liée à ça dans Hearthstone, Blood and Wild ou même dans le jeu. Une quête post-game, je sais même pas s'il a un post-game, The Witcher 3. Donc si vous faites ça, voilà, et après ça, du coup, il va récupérer un médaillon à Ciri et se laisser tuer. Une fin triste, donc. Bref, donc The Witcher 3, excellent jeu, franchement, j'ai adoré. J'ai dit que j'allais faire une pause dessus, mais je sais même pas. On verra dans un mois. En tout cas, c'est sûr que si je fais le prochain live, ce sera pas sur The Witcher 3. C'est sûr à 100%. Pour moi, il n'y a que trois jeux. Ouais, je vois que trois jeux. Bon. Ce sera soit du coup Batman Arkham Asylum, qui sera donc la série qui va remplacer entre guillemets The Witcher 3, parce que bon, en vrai je fais un peu les trucs comme si j'étais sur YouTube, parce que je suis trop habitué au let's play YouTube, tout ça. Mais là c'est l'avantage d'être en live, et du coup, bon après oui, vu qu'il n'y a personne, vu que je fais des jeux qui sont pas très connus, je fais pas des titres à guicheurs, machin, je fais les titres en mode série, donc ça, c'est sûr que bon,
Si t'es pas là depuis l'épisode 1 et que t'arrives à l'épisode 24, bon, bah, t'as pas trop envie de regarder. Quoi. Tu skips, tu dis bon, mais tant pis, on va regarder autre chose. Du coup, ouais, je fais un peu ça pour le plaisir, machin, pour moi-même. Même. Mais bon, c'est pas. Peut-être que dans le futur, du coup. Il y a pas mal de gens qui vont regarder les VOD, donc c'est plus pour ça. Ou même si mes potes regardent les VOD, hein, salut. Du coup, ouais, Batman Arkham Asylum, qui sera la grosse série qui va succéder à The Witcher 3, mais si The Witcher 3 n'est pas fini, il y aura des lives de temps en temps dessus pour continuer les DLC. Bon, je vais faire en vrai, je vais faire sûrement. Non, je vais faire sûrement comme le mode histoire. Ok, non, je pense que je vais faire ça. Je vais faire Batman Arkham Asylum en entier, du coup, mais lui, il y a vraiment à 100% pour le coup. Si je dis pas de la merde. Ouais, normalement je le fais vraiment à 100%, Batman Arkham Asylum, et je vais le faire dans la difficulté la plus élevée, parce que je l'ai déjà terminé sur Xbox. Bon, après là je vais être sur PC, donc ça va être différent. Bien. Bref, du coup, une fois que j'ai terminé Batman Arkham Asylum, je vais me remettre à The Witcher, et je vais faire les deux DLC d'un coup. Une fois les deux, enfin d'un coup pas en un live, hein, mais une fois les deux DLC terminés, du coup The Witcher 3 ce sera terminé. Peut-être que dans quelques années... je retournerai sur le jeu pour la nostalgie. Et je retournerai seulement de mon côté de temps en temps, parce que j'aime bien. Et après, du coup, The Witcher 3, je ferai Batman Arkham City et Batman Arkham Knight. J'ai pas Arkham Origins. Et honnêtement, Batman Arkham Origins, c'est un bon jeu, mais ouais, franchement, c'est le bas du lot dans la série des Arkham. Et du coup, on va, comme j'ai la petite facecam, malheureusement, comme j'ai pas une carte graphique assez puissante, je n'ai pas Nvidia Broadcast pour l'instant. Mais si tout va bien, dans maximum 3-4 mois, j'aurai mon PC terminé. Donc ça, ce sera réglé. Putain, j'espère 3 mois maximum. Ça me ferait tellement plaisir. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce PC. Ouais, là, clairement. Faut que je bosse. Faut que je bosse, et dès que j'aurai mon nouveau PC, ben, je mettrai peut-être un planning en vrai, pour les lives, faut voir. En parallèle de ça, avec la cam, les lives avec la cam, parce qu'en vrai les Batman, je vais les faire sans la cam. Je sais que pour le stream, vaut mieux utiliser sa cam, voilà, ça fait attirer les gens préfèrent dans les lives. Et typiquement, j'aime pas, franchement, pour moi la cam, ça va dans certains types de jeux qui font les lives horreur. Là, vraiment, il n'y a aucun intérêt d'y jouer sans la cam, parce que c'est pas le jeu qui t'intéresse, hein, quand tu as un stream sur l'horreur, enfin, c'est le jeu qui t'intéresse, mais c'est surtout de voir le streamer flipper sa mère. Donc, c'est un peu pour ça. Du coup, je vais faire Metro 2033. J'enchaînerai peut-être en Metro Exodus, si vraiment là... Après, je crois qu'il n'y a pas de continuité entre les jeux, donc ça, c'est l'avantage. Mais je dis peut-être de la merde. Du coup, je fais Metro 2033. Alors, c'est un survival horror, mais je sais pas si par tout ça, il est sorti il y a longtemps. Et pour moi, l'horreur, j'adore ça. Donc, j'y ai beaucoup bouffé. Alors, je dis pas que je vais pas avoir peur. Enfin, peur, non, j'aurais pas peur. Je vais sursauter. Ça, je pense que c'est obligé, je vais sursauter. Voilà, du coup, pour les jeux d'horreur type Metro, et après sûrement que Metro 2033, j'enchaînerai peut-être par Metro Exodus, mais surtout, non, ça en vrai, je vais attendre d'avoir mon Nvidia Broadcast. J'enchaînerai du coup sur Alien Isolation, ainsi que Prey, et d'autres jeux d'horreur qu'il y a gratuits dans l'Epic Game Store. Ça, c'est l'avantage de l'Epic Game Store, hein, c'est les jeux gratuits chaque semaine. Et à Noël, un jeu gratuit par jour pour le calendrier de l'Avent. Ça, c'est fou. Ça. Donc, c'est dommage que Steam, il fasse pas. Steam, j'ai eu un jeu gratuit sur Steam. Alors, ça fait combien de temps que j'ai mon compte Steam? Ça fait 5 ans que j'ai mon compte Steam. 5 ans et demi que j'ai mon compte Steam, j'ai eu un jeu gratuit. Mais genre, mais j'entends pas un jeu gratuit à 0€. Non, un jeu qui coûte de l'argent, qui est devenu gratuit, c'était Tomb Raider. Le Tomb Raider, l'un des nouveaux Tomb Raider là, de la dernière série. Il s'appelle juste Tomb Raider en plus. Et... Bref, voilà, le tout premier. C'est le seul que j'ai gratuit. À part ça, je n'ai jamais vu un seul jeu gratuit sur Steam. Je trouve que sur ce coup-là, c'est vrai. Même les Redux Steam, la plupart du temps, c'est pas ouf. C'est pas incroyable. Il y a des Redux très cool, mais Instant Gaming, c'est mieux. Et donc aussi un jeu que je vais m'acheter et que...
bon, pas tout de suite, hein, et que lui, je sais pas si je vais le faire en live. Je ferai peut-être un épisode en live, et si en live j'ai pas trop kiffé, je le ferai sûrement de mon côté, parce que je l'aurais pas acheté pour rien. Ce sera Necromunda Hired Gun, parce que j'adore le live, j'adore faire des jeux en live, y a pas de souci. Mais j'aimerais bien aussi jouer de mon côté tranquille. Donc ouais, sûrement que Necromunda Hired Gun, je le ferai de mon côté. On verra. Bon, pareil, un jeu que je fais de mon côté, c'est plus MMORPG, je fais Warframe de mon côté, je joue à Total War énormément et Crusader Kings de mon côté. D'ailleurs, Crusader Kings, sûrement qu'il y aura des lives dans... Il y aura des lives sur Crusader Kings. Je vais pas dire citer de date, tout ça. Donc bref, du coup, prochainement, attendez-vous à Batman Arkham Asylum, ça c'est sûr. De toute façon, prochain live, c'est soit Batman Arkham Asylum, soit Metro 2033, soit Fortnite, voilà. Et d'ailleurs, Fortnite, attendez-vous à un gros live, parce que je fais un live où je vais faire plein de quêtes, et surtout un live, autant que je ne fais pas top 1, parce que je suis un peu une grosse merde sur Fortnite, du coup, quand je fais des duos avec Blackstar, je suis un énorme boulet. Donc, bon, ça commence à aller un peu mieux, parce que bon, à force de jouer, forcément, tu prends de l'expérience, tout ça. Ou, par contre, j'ai jamais fait un top 1 en solo, pour le coup. J'en ai fait quelques-uns en trio, j'en ai fait quelques-uns en duo, mais jamais en solo, parce que je joue pas beaucoup en solo. Donc là, l'objectif, ce sera de faire un live où je joue en solo, et tant que je ne fais pas un top 1, le stream ne s'arrête pas. Donc forcément, ce sera un jour où je serai tranquille, c'est pour ça que là, il va avoir le week-end. Alors dimanche, c'est mort, parce que je fais autre chose, mais demain, peut-être. C'est pas sûr, mais peut-être. Voilà. Bon, j'ai plein d'idées de jeux, j'ai plein d'idées de live, mais il y a plein de jeux que je ne peux pas faire. Parce que mon PC, c'est de la merde. Typiquement, Conan Exile, Ark. C'est des jeux que j'aime bien. Non, j'adore Ark. J'aime bien Conan Exile. Mais, de toute façon, j'ai fait une série complète sur Ark. Hein. D'ailleurs, elle aurait continué longtemps si malheureusement, il y a eu peu de reset. Et Ark, je vais y revenir. C'est sur Léoné. Il fait 187 gigas maintenant, Ark. Vous vous foutez de ma gueule. Ça, c'est un problème aussi. Ça, c'est... sont beaucoup trop grosses les maps de Ark. Et une nouvelle carte en plus. Fjordok. Très bien. Bref, du coup, j'y reviendrai. Ça, c'est sûr. Je referai des lives sur Ark, Conan, quand j'aurai un PC excellent. Parce que je ne vais plus. Pareil, Total War Warhammer 3. Je n'y jouerai pas tant que j'aurai pas mon nouveau PC. Parce que je n'en ferai plus des lives sur des jeux en qualité faible. C'est mort. C'est terminé. C'est nul à chier. Autant Fortnite. Je suis en qualité haute. The Witcher 3, je suis moyen haut, donc je considère ça, c'est la limite. C'est la limite où si c'est à peu près regardable, je fais. Puis comme The Witcher 3, je le fais de mon côté, c'est moins grave. Mais typiquement Ark qui est un jeu qui marchait bien. Moi, il y a deux jeux sur lesquels j'ai eu principalement mes followers, c'est Ark et Fortnite. Donc, Fortnite, qu'est-ce que je dis, Minecraft. D'ailleurs, Minecraft, dès que l'1.19 sort hardcore, soit en solo ou en multi, il y aura deux séries, mais il y aura du putain de hardcore. Parce qu'on aime ça, putain de merde. On va aussi continuer de Brawl Force. Bref, putain, ça fait 6 minutes que je parle pour rien dire. Bref, du coup, tout ça pour dire The Witcher 3. Très cool. Maintenant, attendez-vous à d'autres lives. Clairement, ce n'est que le début de la chaîne. D'ailleurs, la chaîne, quand est-ce que j'ai commencé la chaîne? Ça, c'est un truc que je vais aller vérifier. Parce que la toute première VOD que j'ai fait de ma chaîne, c'était sur Dawn of War avec Blackstash. Et avant, je laissais les vidéos sur Twitch. Sauf qu'au final, je me suis dit que j'ai la flemme. Donc, je me suis dit que... si je mets les rediffs sur YouTube, pourquoi les laisser sur Twitch? Puis sur Twitch, comme tu fais, c'est pas genre tu gardes ta vidéo du stream, c'est dans tu crées une autre vidéo. Du coup, non, sur Twitch, tant pis, il y aura des clips si les gens font, quand il y aura des gens qui veulent faire des clips. Mais là, dans l'idée, non, les rediffs, c'est à 100% sur YouTube. Attends, quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans 8 jours, ça fait 8 mois que j'ai commencé Twitch.
C'est fou. C'est incroyable. Putain. Alors là, j'avoue que c'est fou. Et au passage, j'en profite encore une fois pour les personnes là dans. Donc en vrai, ça sert un peu à rien. Mais mon ami Blackstash va dans très très peu de temps se lancer en stream. Il a terminé les réglages, il a réglé son stream deck. Donc, dans pas longtemps, il va se lancer au stream. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, bien entendu. Parce que lui, il a le PC, il a le micro. Il a la cam, même s'il aimerait... parce que vu qu'il a vu ma caméra qui est en 1080p, la sienne est en bonne qualité, mais... autant, on va dire. Du coup, il veut changer. Bref, du coup, il va être sur Twitch. Et matez-le, il va faire des dingueries. Parce que, contrairement à moi, lui, il est fort sur tous les jeux qu'il fait. Donc, soit sur Minecraft, que ce soit sur Total War, que ce soit sur Fortnite, le mec est bon. Le mec est bon. Je vais faire d'autres lives avec lui, bien sûr. Tu vois, mon live, tant que je fais pas un top 1. J'arrête le live, pas le live, on va en faire un aussi en duo avec lui, parce qu'il est chaud, donc mais on fera ça un de ces jours, je ne donne pas de date encore une fois, pareil pour le prochain live, hein, je ne donne pas de date, hein, pour mon... j'ai envie de faire un live demain sûrement, mais c'est possible qu'il n'y en ait pas, parce que de base ce live je devais le faire hier, mais au final je ne l'ai pas fait, donc il faut que j'arrête de faire des promesses de mort, des promesses électorales simplement, donc bref, du coup... Merci à tous d'avoir regardé. Non, attends, je suis en bonne forme. Mais non, merci à tous d'avoir regardé ce live. Donc, demain. Demain. Sûrement un live. Soit sur Batman. Soit sur Fortnite. Soit sur Metro Exode. Soit sur Metro 2033. Putain. Soit sur autre chose. Si jamais. Je sais pas, si jamais Shadow Gear veut faire un live, me contacte, genre, hey, bon, on fait un live sur Broforce, ou alors on se fait du Crusader Kings en live, ok, on verra. Voilà, pareil, vu que j'ai la cam, il y a moyen que je refasse des lives sur Warhammer, on verra. Du coup, dans l'immédiat, merci à tous d'avoir regardé, non, je vous souhaite à tous une bien bonne journée, ou une bien bonne soirée, dépendamment de l'heure qu'il est chez. Et je vous dis à bientôt pour un prochain stream. Allez, slash en diffusion.